Cette statue est impressionnante. Qui l'a construite ? Je ne sais pas. Mimir, on est sur le lac. Parfait. Amarre-nous près du pont. Tête, comment parle-t-on au serpent ? Il y a une corne sur la plateforme, au milieu du pont. Emmène-moi là-bas. Enfin, la corne ! Bien, et maintenant approche ma bouche de la corne. Fait construire cette statue en l'honneur de Thor, sachant à quel point le serpent monde tient ce gros abruti en horreur, il devait en avoir marre de le contempler. Mais c'est pas douloureux ? Thor et le serpent monde ont un passif un peu mouvementé. Enfin, un avenir peut-être. Il faut croire que le voir à chaque fois qu'il se levait était encore plus pénible que l'idée d'avaler une statue de pierre. Tu veux que je lui demande ? Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est Jotunheim. Bien, souhaitez-moi bonne chance. Souviens-moi. La yu. Oh non, mais c'est pas ça. Ma kuna un tunko. Ah, oula. Eko no oto no uno. Comprends ta douleur. Il va t'aider. Étrange. Qu'y a-t-il ? Rien de bien inquiétant. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assure qu'on prend la bonne direction. Écoutez-moi bien. Il faut deux choses pour pénétrer sur la terre des géants. D'abord, nous devons apprendre la rune qui ouvre le passage vers Jotunheim. Ensuite, nous devons graver cette rune dans la porte spéciale. Celle sur le pic où on t'a rencontré ? Exactement. Sauf que les géants, dans leur grande sagesse, ont fait en sorte qu'il faille un outil spécial. Seule la pointe d'un purin magique peut ouvrir la porte. Par chance, je sais où il se trouve et ce n'est pas loin. Il a eu l'air furieux pendant un instant. Ah ça ! Il a cru que j'avais dit que vous étiez amis avec Bouddha. Pardonnez-moi, c'est la première fois que je parle de langue ancestrale, sûrement. Hé, regardez ! Le niveau de l'eau a encore baissé. On distingue mieux les tours des royaumes et les statues. Je vois même de nouveaux endroits à explorer sur le rivage. Où se trouve le burin ? Trouvez-moi un bateau et je vous y emmènerai.